I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour, bonsoir. J'espère que vous portez bien à la maison. Mon nom est Johnny D et vous écoutez le Wrestle Rock Podcast. Je suis en co-animation avec mon partenaire, ami de toujours, Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradamus. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien pour poursuivre cette saison 5. Je sais pas si tu savais, c'est la troisième fois d'affilée qu'on a le tour québécois. Yes, ben crime, profitons-en. Puis on a eu... On a eu un message en privé d'un lutteur qui a fait beaucoup sa marque là, dans le coin de Gatineau et tout ça. Puis on a appris à le découvrir parce que on est de Québec et on ne peut pas être partout en même temps. Mais on a vraiment découvert que quelqu'un, un passionné, une personne qu'on va aller découvrir justement. Il s'agit de Pington. Comment ça va, Pington? Hey, salut les boys. Ça va super bien. Et comme je disais, dans le fond, on ne se connaît pas, mais on va apprendre à se connaître, puis on va découvrir sûrement des super de belles choses en lien à ton profil qui est super intéressant. Je vois que t'es un passionné de lutte là, depuis la jeune enfance. Benoît, il y avait des questions justement à propos de ça. Fait que je te laisse le micro, mon ami. Ouais, pas de trouble. Yes. Puis après, la seule pièce que j'ai pas lutté encore, là, c'est à Québec. OK. Au mois de novembre, j'ai passé par vous autres. J'ai été au Saguenay à JCW, mais j'ai eu dans le coin de Québec encore. Fait qu'éventuellement, je suis certain que ça va venir. Ouais, probablement. J'imagine. Ouais, c'est ça. Comment il était le petit Picton dans son enfance? Parce qu'on sentait que t'es plus petit, là. Non. Moi, en ce moment, c'est ça, je suis legit, là, 6 et 4, 320 livres quand même. Je m'annonce à 315, mais je travaille beaucoup sur une perte de poids. Là. J'ai perdu 45 livres là, depuis quand même. Je suis encore un vrai 300 livres, mais plus compact, mettons. Là. Nice, c'est ça. Ouais, mais plus jeune, j'ai toujours été un grand amateur de lutte quand j'étais tout petit. Là. Okay. Je jouais beaucoup avec des figurines de lutte. Je jouais avec mes amis, mes cousins. J'écoutais beaucoup de la lutte, même jusqu'à l'adolescence où j'écoutais beaucoup la WWE, la WCW, les jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo de lutte que je jouais. Puis, avec le fait que la GPW, la Fédération de lutte à Gatineau, on va ouvrir ses portes en octobre 2018. C'est comme ça que j'ai repris goût à la lutte parce que j'ai fait une pause de lutte pendant plusieurs années. Okay. Diverses raisons, le travail, les études, tout ça. Puis ensuite de ça, quand la GPW a ouvert leur école, ben ça me. Puis genre, je voyais les shows, je serais capable de faire ça. Donc ça m'a remis dans la lutte. Donc tout le temps que j'ai passé à un fan avide de lutte plus jeune, paye aujourd'hui parce que. Encore aujourd'hui, j'écoute plus la lutte. J'écoute les matchs québécois là, de mes autres collègues sur la scène indie au Québec ou en Ontario. Mais j'écoute pas la WWE ou la AEW, tout ça. OK. Quand je travaille avec d'autres lutteurs, s'ils ont des références de lutteurs de la Attitude Era, je suis correct. Mais après ça, c'est un défi, mettons. C'est la belle époque, effectivement. Ah oui. Et puis, juste avant, tu nous parlais que tu avais eu une perte de poids. On voulait savoir à quelle fréquence et pendant combien d'heures par semaine t'entraînes-tu au gym ou bien dans l'arène? Ben, moi, au début, je faisais, jusqu'à que je prenais la lutte vraiment au sérieux, je faisais plus de l'entraînement qui était en fort. Donc, je mangeais beaucoup. C'est là que j'étais à mon plus lourd, mettons, à 345 livres, mais j'étais beaucoup plus fort, par contre. Ouais, c'est ça. C'est... Ouais, puis là, quand je me suis découvert ce talent-là dans la lutte, puis j'ai eu des offres, puis j'ai commencé à avoir des bookings extérieurs, je suis comme, hey, ça serait bon... modifier mon entraînement, parce que malgré ma taille, je suis quelqu'un de très agile.
Oui, c'est ce qu'on a découvert. On voyait là, des Leaf Frog et toutes sortes d'affaires. On est comme, hey boy, OK. Bon, c'est... Ça bouge, ouais, ta affaire. C'est ça. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais me raffermir un peu. Ben oui. J'ai changé mon entraînement. J'ai surtout changé beaucoup l'alimentation. J'ai eu, en 2023, j'ai eu une grosse motivation, le slush puppy, la GPW. Oui, justement, on va en parler tantôt. Là. Puis là, je m'étais dit, hey, si j'ai un temps de bien paraître, c'est là. Donc, c'est ça qui a motivé ma perte de poids. Puis 45 livres en un an, je pense, j'ai fait mon travail. Mais oui. Il me reste peut-être un autre 15, je dirais. Là. Tu sais, je vais toujours avoir une bédaine, là, mais ça, c'est parce que mon personnage, il rentre avec un gros keg de bière. Fait que... On a vu ça, ouais. Ben oui. Ça pour le kayfabe, j'ai pas le choix de continuer à boire de la bière. Là, c'est ça donne une défaite. Ouais, c'est ça, ben, il peut pas ça. Arriver avec un sextant. Ben non. Ça fait que la limite. Pendant à mon plus pesant, ou quand je faisais plus de force, les PR, si je peux dire, là, records que j'ai fait sur le bench, là, j'étais à peine du 400, là, je frôlais le 4 plein. Le log press, le lever du bio en français, je faisais le 300 livres qui était des points qui se rapprochaient des compétitions. Je faisais les grosses pierres aussi. Mais c'est ça. C'est juste qu'en étant plus strongman, ça enlève plus de flexibilité, de mobilité. Puis je pense qu'en tant que big man, il y en a des gros gars. Là, mm-hmm. Mais un gros gars qui bouge comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Fait que je vais vraiment développer ça pour me démarquer. Il manque de mobilité. Tu sais, je pense à Max Lemire, tu sais, entre autres, qui est un homme fort. Tu sais. Oui, c'est ça. Il y a une limitation. Là, tu sais, ouais. Je ne le verrais pas faire un Shooting Star Press. Ah, loin ça ne marche pas. Là, non, c'est ça. Puis même monter sur la troisième corde, j'en suis un qui monte sur la 3, qui peut soit prendre un bump ou de la 3. C'est à 300 livres, c'est impressionnant. Là. Ah, tout à fait. Je ne sais pas si tu savais, mais Big Show, là, quand il a commencé, il faisait des moonsaults de la 3. Pour finir pour l'entraînement, moi j'ai un gym à la maison. Quand c'est l'été, je m'entraîne dehors. J'ai encore mon équipement Strongman pour m'entraîner dehors. Je m'entraîne 6 à 8 heures par semaine dans le gym. Puis 4 à 5 heures dans le ring. Parce que à GPW, on a une école de lutte à Buckingham. Puis on a deux rings. On a le gros ring où on travaille nos bumps, tout ça. Puis on a un ring si on veut plus travailler notre striking, nos corps, nos agilités. Cool. La grosse différence que moi j'ai, par exemple, avec d'autres lutteurs, c'est que j'ai accès à deux rings, puis j'en profite pour me développer. Parce qu'il y en a des promotions qui ont. Les gars luttent, mais ils n'ont même pas de temps de ring. C'est ça. C'est vraiment cool. Oui. Ouais, t'as à peu près répondu à la question, mais. Tu sais, le fait d'avoir une femme puis avoir des enfants, comment parviens-tu à équilibrer travail, famille, entraînement et lutte? C'est sûr que là, t'es pas loin d'un gym, fait que c'est peut-être plus facile que tu te déplaces dans un gym, j'imagine. Ça, c'est essentiel d'avoir une conjointe qui me soutient là-dedans parce que on s'entend, les lutteurs, ce que vous entendez le plus dans les lutteurs, c'est les sacrifices, hein? manquer les fins de semaine avec les amis. Être parti toutes les fins de semaine, manquer des fêtes, tout ça. Puis moi, j'ai eu une grosse année 2023. Je vais avoir une grosse année 2024 aussi au point de vue booking, aussi les adversaires que j'ai. Donc, ça demande beaucoup de sacrifices. Puis le fait que je peux m'entraîner à la maison, ça l'aide beaucoup parce que ça évite de partir 20 minutes, tu sais, 20 minutes aller m'entraîner, 20 minutes revenir du gym. Donc, le fait que je peux m'entraîner à la maison, ça l'aide beaucoup. Ben, c'est sûr. Donc, quand je sors, c'est vraiment pour aller à l'école de lutte parce que là, je peux pas avoir un ring chez nous. Mais c'est ça. Sans ma conjointe, parce que moi j'ai deux filles. C'est ça. 7 et 10 ans. Donc, il y a les devoirs, il y a tout ça, il y a mon travail aussi. Sans ma conjointe, c'est certain que je peux pas arriver à accepter les bookings. Parce que déjà, il faut que je refuse des bookings parce que j'ai des responsabilités professionnelles et familiales. Elle aussi veut. Elle a quelque chose en même temps. Fait, durant un show, je vais emmener mes filles, mais là, j'ai besoin de mes amis pour surveiller ma fille de 7 ans. Ben, je ne veux pas la laisser toute seule. C'est un défi au quotidien. C'est certain que sans ma conjointe, là, je ne peux absolument pas avoir la carrière que j'ai en ce moment, que j'ai depuis la dernière année. Là, ça reste un défi. Au quotidien. Super. En mars prochain, tu te mesureras à la légende de la lutte PCO à la GPW. Comment te prépares-tu pour ce genre de combat? Ça, c'est malade. C'est vraiment, vraiment malade parce que
de la manière. De l'opportunité, en tout cas. Ben oui, mais de la manière ça a commencé, on a invité PCO au mois d'octobre pour le lancement de la saison à la GPW. À notre show d'ouverture. Puis nous, en étant les frères rebelles avec mon partner Crusher, ouais. Puis mon avocat William Oscar L. Freeman, on est nous sommes les top heels de la GPW depuis la dernière année. Ouais. Puis on avait un angle où au début du show, on se prenait contre les étudiants. Puis à la fin, on a gagné sans trop travailler. Puis on a continué à faire un beatdown sur les jeunes. Jusqu'à temps que PCO arrive. Puis PCO, on a fait un spot, moi et lui, il m'a donné à peu près 25 chops à l'intérieur de 40 secondes, je pense. Puis il m'avait dit que wow, c'est pas tout le monde qui peut prendre ça de un. Ouais, ouais, ouais. Quand ils ont été invités à revenir à la GPW pour un gros show, il a dit « J'aimerais ça me prendre contre le gros. » Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Donc on va essayer de tirer cette storyline-là. Ben, oui. Mais tu sais, pour quelqu'un qui lutte activement depuis novembre 2022, de se prendre contre PCO, c'est tout un honneur, c'est un privilège. C'est vraiment un signe de confiance que les propriétaires de la GPW ont à moi. Mais je prends ça très au sérieux. Je continue à m'entraîner dans le ring pour être dans la meilleure forme possible d'ici le 30 mars contre PCO. C'est une chance que je ne veux pas manquer si tôt dans ma carrière. J'ai même annulé un ou deux bookings pour m'assurer. T'sais, imagine, ouais. Là, on bâtit ça. J'ai le show dans le quartier dans lequel j'ai grandi en plus, dans le Brian Lambert. Okay. Avec ma gang qui va être là, il va y avoir possiblement 500-600 personnes. Cool. Une blessure, tu sais, une niaiserie, là, une petite corde, une cheville. Une bad luck, ça peut arriver. Ouais, une bad luck, je fais, tu sais. Fait que je prends vraiment ça au sérieux. J'ai annulé, c'est malheureusement une coupe de booking, mais les gars comprennent. C'est une chance, une opportunité que possiblement j'aurais jamais dans ma carrière non plus. Donc, je vais être en forme, puis je me prépare. Puis c'est, je pense, je suis pas autant stressé que les gens en pensent parce que, dans un, j'ai rencontré PCO en octobre. Monsieur tellement, tellement gentil, super, ouais, il est vraiment super cool. Professionnel, comme je suis tellement en confiance. Tellement calme. Ça a été notre premier invité, d'ailleurs. Oui, ouais, ça a été notre premier invité. On fait des entrevues. En plus, puis moi je suis de style old school. Quand je lutte, powerhouse brawler. C'est un style qui va à la merveille avec PCO. Donc, ça fait. Donc, je m'attends, j'ai hâte de voir c'est comment travailler avec un professionnel comme ça. Mais je suis tellement en confiance que dernièrement, j'ai eu d'autres matchs qui étaient vraiment différents. Par exemple, j'ai eu un match avec Jeremy Prophet à Luc Laurentide, qui est vraiment un style différent du mien. Ouais, ouais. Donc, celui-là, j'étais peut-être un petit peu plus stressé à l'idée de l'affronter. Mais quand on reste à l'intérieur du style que je préconise, un style old school, tough, gros power move, du moment que je suis à l'intérieur de ça, moi, je suis en confiance. Puis, j'espère juste que PCO, il va être... il va avoir autant de plaisir que je vais l'avoir à l'affronter parce que jusqu'à maintenant, là, vous avez sûrement vu l'annonce, mais c'est déjà sold out. Je pense qu'il y a à peu près 400 ou presque 500 billets déjà vendus. Ça va être vraiment un gros show, puis un gros match. Moi, je me mets beaucoup de pression à performer, mais je sais que je vais être capable de livrer une belle performance ce soir-là. Oui. En juin dernier, tu as participé à un événement de lutte de la GPW au centre Slush Poppy impliquant Axe, Match de Demolition, Raymond Rougeau, The Dark Order, Tiger Jackson et bien d'autres. Est-ce que tu considères que cet événement comme l'un des plus importants de ta carrière compte tenu de la présence de nombreuses personnalités? Ah oui, honnêtement, ce qui a fait parler beaucoup au Québec, ça a été ça. Là. Ça a été un stunt malade. Tu sais, la GPW, il y a eu la pandémie, on a passé au travers. Mais les guts, d'avoir le courage de dire « Hey, on fait notre WrestleMania au centre Slush Poppy, qui est à Gatineau, c'est le plus gros centre. » C'est comme un... C'est ça a comme 3-4 ans. Il peut y avoir 5000 personnes dedans. C'est là que les Olympiques de Gatineau... Ah, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est vraiment là. Puis c'est la première fois qu'il y avait un événement de lutte. Dans le temps, il y avait le Bob Gartin, le vieil aréna à Hall où il y avait la lutte. Avant la pandémie, la GPW devait fermer l'aréna, puis fermer l'histoire de lutte à Gatineau Hall.
mais le slush puppy devant 3200 personnes, qui était à peu près mon 10e match en carrière. J'ai été très privilégié de le faire, puis je l'ai vraiment, vraiment apprécié. Là, ça a été beaucoup de travail, parce que la veille, il y avait eu Flo Rida, un rappeur américain. Grosse machine de production. Je pense qu'il y avait 6-7 semi-remorques pour le show. Puis nous, on était le lendemain, on a vendu plus de billets que Flo Rida. Puis nous autres, on a fait ça au pic-papel. Là. C'est des lutteurs qu'on allait dans des fêtes de quartier, on allait faire de la promo, on a tout travaillé vraiment fort pour chaque billet, on continue à le faire là. Mais c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Puis ça a mis la GPW sur la map parce que c'était audacieux. C'était audacieux. Tout à fait. Les images qu'on a eues, les photos, les vidéos. Puis par-dessus ça, nous, on avait un angle, on avait un storyline qu'on avait travaillé depuis des mois qui s'est terminé au Slush Puppy avec l'intervention de Demolition. Axe and Smash, puis ils ont monté dans le ring, ils ont frappé notre avocat au visage, ils ont célébré les champions par équipe. Ça a été vraiment, c'était historique. Surtout quand on compare que même la WWE ou les autres grosses fêtes viennent au Québec, il y en a une où il a à peine été capable d'attirer 1000-1200 personnes. Puis nous, la GPW, avec notre pic, nos pelles, on a mis 3200 personnes dans cette aréna-là. C'était vraiment, vraiment un succès. Puis on y retourne aussi le 15 juin prochain, là, en 2020. J'imagine qu'il va y avoir d'autres surprises. Ça va être ça. L'an dernier, il y a eu Raymond Rougeau, il y a eu Demolition, mais je sais qu'il va y avoir une annonce bientôt où ils vont annoncer d'autres vedettes, aussi d'autres légendes vedettes qui vont être présentes. Je ne suis pas au courant de tous les détails, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail qui se fait derrière ça. Mais l'an dernier, ça a été vraiment un succès. Puis on a eu la chance, moi j'ai eu la chance avec d'autres amis, collègues lutteurs, de passer une heure séminaire avec Demolition. On était dans un vestiaire avec eux, poser des questions. Moi j'ai une fascination pour... Andrew the Giant. Eux, ils ont travaillé avec lui, ils l'ont connu. Ben oui. J'ai posé plein de questions, des histoires sur André. Ensuite de ça, on a passé une heure avec Raymond Rougeau à poser des questions aussi. Donc, ça a été vraiment toute une journée, tout un spectacle. Puis, on s'en est fait parler. C'est une des fins de semaine, si je ne me trompe pas, où il y a eu le plus de luttes indépendantes au Québec. Je pense tout à fait, parce qu'il y avait Golden Opportunity en même temps. Québec, ouais. QCW aussi, je pense, la 17. Ouais, Field of Heat. Ouais. Mais c'était exceptionnel. Puis j'ai beaucoup, là, tu sais, je me promène dans différentes fêtes. Puis j'ai beaucoup de vétérans lutteurs qui viennent me voir. C'est vrai, le gros, tu te rajoutes. Imagines-tu, là, c'est le rêve de tout le monde de faire un show de même. C'était vraiment une production. Même Demolition, eux, ils font encore, ils se promènent aux États-Unis. Là, ils ont parlé aux propriétaires de la GPW, puis ils ont dit, votre show que vous faites ça, là. Il dit, je vois pas ça aux États-Unis. Là. Ce que vous avez fait, c'était dans le niveau de WWE là, pour ce qu'il y a, comme vous dites. C'était très professionnel. C'était... En fait, je me souviens pas d'avoir eu un show de lutte québécois des 30 dernières années, indépendant, je parle. Ouais. Avec, tu sais, autant d'envergure. Tu sais, si on parle là, global, là, l'emplacement, les invités, le total de spectateurs, puis le setup. Je me souviens pas d'avoir eu autant. Ensuite de ça, ça a vraiment mis la GP. Parce que la GPW, on est à Gatineau, souvent on se fait confondre parce qu'on est juste de l'autre côté de la rivière de Ottawa. On a quand même la compétition. Il y a C4, Mystery Wrestling, Lutte 07. Il y en a beaucoup. Puis le fait que la GPW, on fait des shows familiaux, ça n'enlève pas la qualité des matchs qu'on fait. Ça n'enlève pas la qualité de l'intensité. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vulgarité. Il n'y a pas tant d'armes, rien de ça. Ça reste un spectacle familial. On est très conscient du produit qu'on livre, mais en aucun temps, ça enlève le produit, la qualité des matchs ou des lutteurs qu'on met sur les cartes. Donc, souvent, la GPW est oubliée, mais avec le stun du Slush Puppy, ça a mis la GPW sa map. Les gens parlent beaucoup. Puis souvent, il y a même des gens qui s'informent. La GPW, on était à la télé aussi. Là.
On est une, promissement, une des seules. OK, mais ça, je ne le savais pas. Tu es à Gatineau, sûrement. Non, mais je sais qu'il y avait. Vous êtes, êtes-vous sur IWTV? Non, on est sur. Il y a une télé communautaire, Télé Basse-Lièvre. OK, OK. Qui filme tout ça, mais on est aussi sur ma TV. OK. Ah ouais? On est disponible sur ma TV, sur nos shows complets. Il y a les gars de En deux chaises de métal aussi qui font la description des matchs. Donc, c'est des belles productions. Puis souvent, on passe sur le radar, mais on a vraiment beaucoup à offrir, même point de vue promo, nos storylines. Donc, c'est la GPW est vraiment à découvrir. Tu as remporté le titre à deux reprises par équipe de la GPW avec ton coéquipier Crusher. Penses-tu que c'est l'un des accomplissements les plus significatifs de ta carrière? Oui, bien, c'est... moi, j'ai quoi, 14 ou 15 mois d'expérience dans la lutte indie, puis je trouve que c'est difficile de toujours mettre une valeur sur les ceintures. Hein. Ouais. Parce que souvent, les ceintures, c'est... Il y a différentes promotions que ça veut vraiment dire quelque chose. Il y en a d'autres que c'est plus un prop ou tout ça, mais pour nous, la GPW... Moi, je considère ça comme un honneur parce que on a tellement investi de temps avec la storyline. On avait la storyline contre l'équipe, le top face là-bas qui s'appelait les Chums. Ça a été la grosse storyline qui s'est terminée au Slush Poppy. On a fait beaucoup d'efforts. On a fait des gros stunts publicitaires, des promos dans des gyms, un des gros gyms à Gatineau, le Gym Max. Okay. On a fait des promos avec la cage, Brasserie Sportive. Il y a eu des médias, Gatineau.tv qui ont diffusé nos reportages. Nice. Donc, c'est vraiment beaucoup. Puis, la ceinture par équipe, ça vraiment, ça, tu sais, que je puisse, qu'on nous fasse confiance pour nous dire, les boys, vous allez être comme vraiment ceux qui vont suivre ce storyline-là jusqu'au Slush Poppy. Puis ensuite de ça, dans la prochaine saison, ben c'est ça. On a perdu au Slush Poppy, mais on l'a gagné en décembre. Mais avec une tournure d'événements qui a laissé croire aux gens qu'on se séparait aussi. T'sais, moi et mon partner, on a eu un gros match en novembre. Tout le monde pensait qu'on était fini. Tout ça pour venir et remporter la ceinture. C'est vraiment exceptionnel. Pour moi, je pense que c'est vraiment un signe de confiance de la GPW de dire hey, les boys. Ouais. Vous avez investi du temps, vous faites des bonnes promos. Les gens parlent beaucoup de nos promos aussi. On est une bonne équipe. André, c'est un vétéran. C'est un vétéran aussi qui je peux dire, qui est sur le point de terminer sa carrière aussi. Donc, on a un mix que, tu sais, lui, il a l'expérience. Moi, je prends peut-être un petit peu plus de temps dans le ring pour mettre tout ensemble pour avoir des bons matchs. Ouais. Puis, non, mais c'est vraiment le je pense, un signe de confiance de la GPW. Toi, t'es le Hawk, puis ton partner, c'est le Animal, c'est lui. André, ouais, il fait beaucoup, c'est sa présence, le personnage, Crusher, il prend le mic beaucoup, puis moi, je m'occupe du in-ring performance. Nice. Ouais. OK, ouais, ayant affronté Hot Stepper lors de l'événement au sommet de la lutte, c'est ça, le nom de show. Est-ce que tu considères que ça peut être un autre moment marquant de ta carrière? Moi, j'ai une courte carrière dans le sens, j'ai commencé en novembre 2022, mais j'ai eu des défis, j'ai eu des gros matchs. J'ai jamais fait de squash match. J'ai vraiment eu des gros matchs. Puis ça, c'en est un que je peux dire que le Hot Stepper, autant que Jeremy Profit, mais c'est différent. Mais le Hot Stepper, aussitôt dans ma carrière, faire une finale d'un show au sommet de la lutte, qui est la fédération à Mathis Mire avec ses partenaires, mais c'est vraiment la tête d'affiche. Que Mathis, qui est un bon ami, on s'entraînait ensemble, qui m'a fait confiance de un pour gagner son Rumble à l'Arena à Hawkesbury pour me prendre contre le Hot Stepper, qui est un lutteur tellement talentueux. Je ne sais pas s'il est vraiment connu du coin de Québec. Là, mais, pas beaucoup, mais c'est un des meilleurs lutteurs canadiens. Il fait un tag team avec Junior Benito, là, mais il est tellement talentueux. Puis moi, ça a été vraiment un match. Moi, je suis habitué de faire des matchs old school. C'est boom, boom, des gros moves, des grosses chops, un match tough. Là, j'embarque contre lui qui m'envoie dans toutes les directions, tout ça. C'est un match que je suis c'est pas un match qui était parfait à 100%, mais ça a été un match digne d'une finale de show. Ça a été un match intense, puis ça m'a vraiment... Des matchs comme ça, là, c'est des matchs où on apprend beaucoup.
Tu sais, quand tu luttes contre des... C'est de la lutte complètement différente. Tu prends ton expérience, c'est ça? Tu sais, ça te permet de jouer avec différents styles. Fait que tu prends énormément d'expérience avec ça. C'est ça. Fait que, puis moi, à ce jour, je considère ce match-là comme un de mes meilleurs. Même que là, le plus récent, j'ai eu Jamie Proffitt, que ça, c'en était un autre. Ça, j'imagine. Un gars qui a 20 ans d'expérience, qui planifie des matchs, qui a des spots, puis qui est intense comme que j'aime. Celui de Jérémy, j'ai hâte de le revoir. Là. Je ne l'ai pas vu au complet encore. Là. J'ai seulement vu un montage, mais juste le montage qui dure une minute, ça paraissait bien. Puis le Hostepper, ça a été vraiment un de mes bons matchs. Hey, ça fait déjà 25 minutes qu'on est avec toi. Comme à l'habitude, en fait, juste avant de conclure, je vais te donner le nom de quelques personnes, puis tu me diras en quelques mots à quoi ça te fait penser. Okay. Donc, je vais commencer avec Marilyn Manson. Oh, commence fort. Wow, hey, t'es bon, Manson. Ben, je sais que c'est sensible, mais moi, c'est mon band de musique favori. C'est un de mes artistes favoris. Sais qu'il était un peu de trouble, qu'il était un peu dans le trouble. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, je pensais ça dire que c'est quelqu'un. Tu sais, puis je me suis inspiré de sa formule, mais bref, un artiste exceptionnel, un génie, puis il faut vraiment dissocier la musique des personnes. Exact. Un de mes plus grands regrets, puis j'espère que ça va arriver, son dernier album, We Are Chaos, j'aimerais ça l'entendre live. We Are Chaos ou Don't Chase the Dead, j'aimerais ça l'entendre live. J'espère qu'un jour ça va arriver, mais au-delà de la petite personne, c'est mon artiste favori. Super. Bree Wyatt. Wow, ça c'est un big man qui est parti trop tôt, c'est ça que je veux dire. Génie créatif. Trop tôt, puis le fait que, je pense, de la manière juste avant qu'il décède, malheureusement, Undertaker, il avait comme, je pense, mis le chemin pour prendre la relève de ce que Taker représentait. Puis moi, Taker, c'est un que je me suis inspiré beaucoup dans mon style de lutte. Donc, parti trop tôt, mais c'est un futur Hall of Famer. Mais malgré, je pense qu'il est introduit pareil là, au Temple de la Valeur. Ouais, il va l'être. Ça se peut pas qu'il soit pas dans l'Hall of Famer. Si c'est pas Stanis, ça va être prochainement. Le prochain, Raymond Rougeau. Wow, j'ai eu la chance d'entrer M. Raymond Rougeau. Je n'ai pas pu passer une heure avec lui. Monsieur tellement humble, tellement gentil, respectueux. C'est vraiment, je peux dire, une inspiration pour garder les deux pieds sur terre. Gab Gobvic. Oh, le gros Gab. Lui, là, il est juste chanceux qu'il est dans le Nord en ce moment. Là. Mais Gab, j'ai adoré lutter avec lui. J'ai fait un match avec lui à la FML. Avec lui, il m'a lancé de la 3 en haut, mais ça a été possiblement, je pense, en tant que big man, ce qu'un match de big man devait être. Le match que j'ai fait contre lui au mois de mai dernier, je pense que c'est un bel exemple. J'ai vu ça. Vous avez l'air d'avoir livré la marchandise. Je suis un méchant. On a cassé le ring. Ah, je le sais, hein, ça a brossé le... c'était l'échec. Je pense que je suis un des seuls au Québec à l'avoir élevé. puis l'avoir slamé, Paul, avoir marché avec lui. Ah, tu sais, me semble que c'était un choke slam que vous faites en équipe. Là. Ouais. Je peux te dire, en affaire, ils n'ont pas forcé pour le lever. Là, puis ben, moi, j'ai fait un. Les gros, là. J'ai fait un body slam, là, puis je l'ai littéralement. Ça, c'est un moment où j'étais parmi mon pic de ma force. Là. Je l'ai littéralement pris. Je l'ai élevé pratiquement sans aide, puis je l'ai slamé. Ça faisait tellement penser à Hogan Giant, c'est ça qui m'a donné le goût de faire de la lutte après ça. C'est vraiment ce moment-là. Mais puis Gab s'était jamais fait élever avant d'avoir un match contre moi. Il devait à les pieds dans les airs, c'est pas son style. Et pour terminer, Picton. Wow, Picton, hey, c'est une bonne question. Mais Picton, ce que je peux dire, c'est comme personnage, comme lutteur, c'est n'importe quel show. Il a sa place sur la carte, puis il laisse personne, aucun fan indifférent. Mais le Picton Hill, il est le fun à voir pour les fans. J'imagine. Ouais. Pour conclure, comme à l'habitude, mon partner Nastradabin, il va essayer de prédire l'avenir de notre invité. Alors, le micro est à toi, mon ami. Je ne charge rien à part de ça, je ne suis pas comme Jojo Savard, ne t'inquiète pas.
Ben, tout d'abord, Pecton, merci de ton le fameux temps que tu nous as accordé, quasiment une demi-heure. Yes, ben merci pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être venu. Super. Ouais, peut-être éventuellement, mettons un try-out avec la WWE ou la AEW, ça pourrait peut-être t'arriver. Ah ouais, tu vois ça dans à l'hôtel. Ouais. Non, je sais pas. C'est important la shape, le charisme. Oui, mais je ne sais pas. On va commencer par passer pour passer PCO. Oui, ouais, mais c'est un bon tremplin. Ça va être un bon tremplin. Si ça se passe comme il faut, ben je te le souhaite. Là, si ça peut te donner un tremplin comme PCO a eu un tremplin avec Gunther, ben crime, je te le souhaite. C'est la marche qui manque pour atteindre, atteindre tes rêves, comme on dit. Exactement. Je me mets pas beaucoup de pression parce que la lutte, c'est un sport pour moi, puis je m'amuse beaucoup là-dedans, puis je me dis, tant soit temps, je vais m'amuser, je vais en faire. J'ai pas d'objectif vraiment à long terme avec la lutte, j'ai fait trop m'amuser. Contre PCO, je pense que c'est un des matchs que j'ai, mon seul objectif, c'est de donner le meilleur show possible. Puis justement, pendant le Gunther ou Walter, je me suis inspiré beaucoup de son match là, qu'ils ont eu ensemble en Louisiane. Ouais. Si je peux livrer quelque chose comme ça, là, je pense que ma job va être faite. Mais par la suite, pour le reste, du moment où je continue à avoir la confiance des bookers à GPW, à Luc Laurentide aussi, que j'ai passé toute la saison-là, Box Belmore qui m'a fait confiance, puis aussi les fans de la GPW ou les fans de Luc Laurentide, juste ça, mon objectif va être atteint. Ou peut-être à Québec, on ne sait pas. Oui, peut-être à Québec, s'il y a des lutteurs assez courageux à Québec pour m'affronter. Je sais que des fois, Max Lemay est dans le coin. Là, Max Lemay, je pense que ça devrait être bon. Ça devrait être bon pour ça. Mais je suis tout le temps ouvert à tous les défis. Puis, dans son temps, je vais rester en santé. Je vais me tenir loin des blessures. Super. J'ai affronté cette année Jeremy Prophet. Sexy Eddie, dimanche dernier. Oui, dimanche dernier, Puis PCO, je sais que j'ai d'autres gros noms qui s'en viennent cet été, mais je recule devant personne. Puis je vais toujours accepter les invitations de ceux qui ont le courage de vouloir affronter le gros Pecton. Yes. Puis ses 20 pouces de bras. Yes. Ben, on vous invite d'ailleurs à le suivre sur les médias sociaux. Il publie là, de façon régulière là, sur Facebook. Là, vous avez juste à taper dans le moteur de recherche. Pecton, il y a une page, puis vous allez pouvoir voir d'ailleurs là, quelques images là, de mes gros mots, les Power Slams. Exactement. Alors, c'est ici que se termine notre émission avec notre invité spécial, le lutteur Pecton. J'étais en co-animation avec mon partner de toujours, Benoît. Merci, mon Ben. Un plaisir, mon ami. Yes! Alors, c'est un rendez-vous pour la continuité de notre saison 5. Je vous embrasse tous. Merci, Pecton, pour ton temps. Alors, bonne saison, les boys. Yes, salut. Bonne soirée à tous.